J'ai eu la chance, depuis mon arrivée en médecine de travail, de connaître ce fonctionnement en équipe et je ne saurais pas fonctionner autrement. Je pense que le métier n'aurait pas de sens aujourd'hui juste avec un acteur unique en face de l'entreprise qui était le médecin de travail auparavant. Ça ne peut pas fonctionner, ce n'est pas crédible. Et au-delà de justement d'un rapport de chiffres, c'est surtout la richesse que ça apporte un fonctionnement, une équipe de santé-travail avec l'infirmière, avec une assistante d'équipe qui connaît les entreprises adhérentes, avec une assistante conseiller risque professionnelle qui va apporter aussi sa lumière pour la connaissance des risques professionnels. Chaque intervenant aura ses compétences propres, mais les compétences de santé et de travail ensemble, il n'y a que le médecin du travail qui les réunit aujourd'hui. Et tout se passe sous sa responsabilité. Certes, il est indispensable d'avoir confiance, donc la confiance se nourrit effectivement au quotidien, pour que les gens puissent venir avec des idées et qu'on puisse les envoyer, parce qu'on ne peut pas se démultiplier une fois de plus. Donc il y aura certainement des temps où chacun apportera sa connaissance auprès de l'entreprise. Et donc ça se construit au sein de l'équipe et chacun va pouvoir la déployer pour qu'on soit efficace.